Bonjour bien-aimés, nous vous souhaitons encore une fois de plus la bienvenue à ce culte d'adoration à l'honneur de notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, celui qui a fait les cieux et la terre. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons encore nous entretenir autour du thème qui est inscrit au tableau, ici devant vous, intitulé « Ce que je retiens de la tentation de Jésus pour mon émergence ». Ce que je retiens de la tentation de Jésus pour mon émergence. Amen. Quelqu'un veut-il être émergent cette année? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être émergent? Alors, en plus de tout ce qui a été enseigné depuis le mois de janvier jusqu'aujourd'hui, je vais encore t'inviter à me prêter tes oreilles et nous aurons encore développé quelques paramètres, mais quelques axes de réflexion qui vont nous permettre d'avancer dans notre émergence. Amen. En début d'année, nous avons été instruits par le Seigneur que cette année sera pour nous une année d'émergence. Et l'émergence pour nous, dans ce contexte, c'est que nous devons entrer dans notre couloir avec objectif d'accomplir les bonnes œuvres que Dieu a prévues ou bien que Dieu a préparées d'avance pour nous. Dieu a déjà préparé les bonnes œuvres. Ce que Dieu attend pour nous, c'est juste les pratiquer. Alors, c'est ça notre émergence. Nous voulons rester là où Dieu nous a établis, quel que soit le domaine dans lequel le Seigneur nous appelle. Le Seigneur veut nous révéler. Le Seigneur veut nous manifester. C'est ça notre émergence en cette année. Alors, nous trouvons comme ça dans la Bible beaucoup de personnes dont la position prophétique a été une bénédiction pour beaucoup des nations. Vous connaissez beaucoup. Il y a beaucoup de personnes dans la Bible dont leur position a été la position des uns et des autres a été une bénédiction pour beaucoup des nations. Ce que j'appelle nation, ça peut être une ethnie, une communauté, ça peut être un pays. Alors nous pouvons par exemple citer à titre d'exemple Moïse, qui conduisit les enfants d'Israël hors de l'Égypte. Je veux aussi citer ici Jean-Baptiste, que Dieu a utilisé pour préparer le chemin devant le Seigneur Jésus. Bien-aimé, tout enfant de Dieu qui a reçu Christ dans sa vie, qui a été lavé par le sang de Christ, occupe une position prophétique. Comme nous l'avons vu la dernière fois, le dimanche dernier, toutes les fois que nous réussissons à nous dérober de cette position, nous créons un désordre. Imaginez si Jean-Baptiste avait réussi à faire autre chose que Dieu lui demande de faire, vous-même imaginez la suite. Je veux bien croire que ce n'était pas possible. Parce que Dieu ne peut pas se tromper, Dieu ne peut pas échouer dans ses plans. Alors tout ce que Dieu entreprend comme projet va sûrement s'accomplir. Amen. Alors, Jean-Baptiste a été utilisé par le Seigneur pour planifier le chemin devant le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous bénéficions de ce que Christ a fait pour nous à la croix. Un homme a travaillé pour préparer le chemin devant lui. Quand vous parcourez la Bible, toute la Bible, vous verrez que, comme Jean-Baptiste, que toutes les fois que nous trouvons des moyens pour passer à côté du plan de Dieu pour notre vie, ça perturbe l'ensemble, ça perturbe l'environnement dans lequel nous vivons. Alors, bien-aimés, c'est une exhortation pour nous tous. Chacun doit rester là où le Seigneur l'a établi. Amen. Dans le cadre de ce message, ça c'est le chapeau que je voulais placer, dans le cadre de notre message, nous allons nous focaliser sur quelque chose qui a marqué le début du ministère de Jésus. La tentation. Jésus-Christ, avant d'entrer dans son ministère, avant d'être révélé de manière publique à toute l'humanité, ou du moins dans son environnement immédiat, il y a eu des choses qui se sont passées. Jésus n'a pas été pris du coup comme ça du jour au lendemain et il est allé à la croix. Il y a eu des choses qui se sont passées. Nous allons lire ensemble dans Matthieu le chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Matthieu, le chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 11. Je vais lire à partir d'ici. Le titre dit ceci, « Tentation de Jésus-Christ ».
Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et il lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « D'autre part, il est écrit, « Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. » Verset 8, « Le diable le transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. » Et à lui seul, tu rendras un culte. » Alors le diable lui laissa, et voici que les anges s'approchaient de Jésus pour le servir. Amen. Ici, nous voyons Jésus-Christ. Dans le contexte, nous voulons situer un peu le contexte de ce passage. Jésus venait de se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et la Bible dit que pendant qu'il sortit des eaux, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et une voix se fit entendre du ciel, que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Autre aspect que je voulais aussi signaler, c'est que Jésus est sur le point d'entrer dans son émergence, sur le plan ministériel. Puisque jusque-là, on ne le connaît pas vraiment. Est-ce que vous connaissez Jésus avant cette date, avant cet événement? Non, on ne connaît pas véritablement. Mais les quelques rares fois ou cas où on a vu Jésus, c'était à l'âge de 12 ans, où au temple, il pouvait émerveiller les hommes de loi. Les hommes de la loi, il avait un raisonnement tellement logique, au point que beaucoup de gens se demandaient, mais que cet homme, cet enfant vient d'où? D'où lui vient cette intelligence? Alors, Jésus-Christ était en train de s'apprêter pour entrer dans son ministère ou dans sa destinée de manière publique. Il est passé entre les mains d'un homme. Il est passé entre les mains de Jean-Baptiste. Alors, je me suis intéressé un peu à cette destinée prophétique. Qu'est-ce que Jésus devrait faire? Qu'est-ce que Jésus est appelé à faire? Qu'est-ce que la Bible dit à propos de cette destinée prophétique? Je me suis rendu dans le livre de Genèse, le chapitre 3, le verset 16. La Bible dit ceci. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. » Ou bien, si vous voulez, dans d'autres traductions, vous allez voir la race. « Je mettrai inimitié entre ta race et la race du diable. » Celle-ci, c'est-à-dire la race de la femme, t'écrasera la tête. Et lui, ou bien et la race du serpent, te mordra le talon. Alors, cette prophétie présente la venue de notre Sauveur, qui va renverser les événements de la chute. Alors, Paul va aussi revenir sur les mêmes choses, sur quelques détails. Dans Romains, le chapitre 5, le verset 14, à partir du verset 14, il est écrit, « Et pourtant, l'amour a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur les hommes qui n'avaient pas commis une faute semblable à celle d'Adam, qui est comparable à celui qui devrait venir. » Celui qui devrait venir, il s'agit de Jésus. Dans Ésaïe, le chapitre 9, le verset 6, il est écrit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Il s'agit de Christ. Et des prophéties qui avaient été dites à son sujet. Dans Matthieu, il y a l'évangile selon Matthieu, le présente comme Emmanuel, Dieu avec nous.
Dieu parmi les hommes, celui qui est venu sauver son peuple du péché. Marc le présente comme le fils bien-aimé en qui Dieu a mis toute son affection. Pour Luc, il est le sauveur né dans la maison de David, son père. Et pour Jean, Jean dit de lui qu'il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Je me suis intéressé à ces aspects qui parlent de Jésus, puisque comme nous étions en train de dire qu'il était sur le point d'entrer dans sa destinée, je voulais bien savoir de quoi il s'agissait. Alors, je suis allé prendre juste quelques morceaux choisis pour davantage réfixer notre réflexion. Voilà la destinée que Christ est sur le point d'accomplir. Voilà une phase de son ministère que Jésus est sur le point d'entamer. Alors, il ne va pas entrer dans cette phase simplement comme ça. Comme nous venons de lire cette portion d'Écriture, nous avons appris que Christ a été soumis à une série de tentations. Alors, la Bible dit que Jésus-Christ a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits et il était dans le désert. Généralement, dans la Bible, le chiffre 40 désigne, en fait, quand on utilise le chiffre 40, généralement, il peut être en contexte de jugement, il peut être en contexte d'épreuve, il peut aussi être en contexte de maturité. Alors, dans notre contexte, il semble que le chiffre 40 est en contexte d'épreuve. Jésus-Christ est passé par une série d'épreuves. Le diable va le tenter. La Bible nous dit qu'il était dans un moment de jeûne. Il n'était pas dans des conditions normales. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits et il eut faim. Alors, au terme donc de cette expérience, bien-aimé, j'ai relevé deux axes de réflexion qui vont constituer la clé de notre prédication d'aujourd'hui. Nous avons deux axes de réflexion. Le premier axe, c'est que sur le chemin de ta destinée, peu importe l'âge que tu as, peu importe ton statut, tu peux être une jeune fille, tu peux être une jeune mariée, tu peux être un pasteur, tu peux être quelqu'un qui vient d'être appelé au ministère, tu peux être un marié, tu peux être un garçon, peu importe, fonctionnaire, chômeur. Bien-aimé, ce n'est pas important pour Dieu. Ce qui est important pour Dieu, c'est qu'il va prendre le soin de te tester. Dieu va te tester avant que tu n'entres dans ta destinée, avant que tu ne manifestes ce pourquoi Dieu t'a créé. Il prendra le soin de te tester. Il testera l'attitude de ton cœur vis-à-vis du pain quotidien. Il testera l'attitude de ton cœur vis-à-vis du pain quotidien. Ce que j'appelle pain quotidien, c'est ce dont l'homme a besoin pour vivre. Ce dont l'homme a besoin pour vivre sur la terre. Tu as besoin de manger, tu as besoin de boire, tu as besoin de te vêtir, tu as besoin d'abri, tu as besoin de véhicule, tu as besoin de ceci, tu as besoin de ceci, tu as besoin de cela. Bien-aimé, le pain quotidien est tellement fort. Il est tellement fort qu'il a déjà volé à beaucoup de personnes leur destinée. Vous voyez, Ésaü avec Jacob, son frère. Je crois que c'est Jacob. Les enfants d'Isaac. Ésaü avait tellement faim qu'il a même dit que mon droit d'aînesse me sert à quoi? Donne-moi à manger si tu veux, tu prends mon droit d'aînesse. La Bible dit de lui qu'il a été insensé. Il a vendu ce qui était précieux dans leur contexte, l'aîné. Bon, peut-être que Ésaü était en train d'accomplir la prophétie, puisque la Bible dit que l'aîné sera assujetti au cadet. Mais bien aimé, peut-être que Dieu aussi avait déjà vu l'attitude de son cœur. Bien aimé, faisons très attention. Le Seigneur peut te tester dans ton statut de jeune fille. Pendant que tu t'apprêtes, pendant que tu t'attends à un jeune garçon, tu attends le mariage. Le Seigneur peut tester l'attitude de ton cœur. Est-ce que le mariage passe avant ta relation avec lui?
Est-ce que Dieu, lorsque Dieu regarde ton cœur, tu ne peux pas cacher quoi que ce soit devant Dieu, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. C'est lui qui nous a créés. Il a nos cœurs dans ses mains. On ne peut rien cacher à Dieu. On peut donner l'impression, on peut faire les choses pour saupoudrer un certain nombre de choses, mais en réalité, le fond de notre cœur, Dieu le connaît. Le Seigneur prendra le soin de tester ton cœur. Comment est-ce que ton cœur est attaché au pain quotidien? Est-ce que tu es prêt à sacrifier ton identité pour une opportunité quelconque, pour une relation quelconque, pour un avantage quelconque? Bien-aimé, si Dieu n'a pas épargné son Fils, Seigneur Jésus, et passez par des moments où, dans certaines traductions, on va dire que, dans certains commentaires, on dit que Jésus traversait des moments troubles. Il jeûne 40 jours et 40 nuits, bien aimé, il ne mange pas. D'autres commentateurs disent qu'il buvait, parce que la Bible dit qu'il eut faim. On n'a pas dit qu'il a eu soif. Ça, c'est des commentaires. Mais ce que je sais, c'est que Christ, ou bien Jésus-Christ, passez par des moments difficiles en tant qu'humain, pas en tant que Dieu. En tant qu'humain, il travaille des moments difficiles. Tu vas passer 40 jours, 40 nuits sans manger. Et c'est facile, non, je ne crois pas. C'est une épreuve difficile. Il y aura des situations comme ça qui vont arriver dans nos vies. On va même se dire que, mais est-ce que Dieu est dans ce que je suis en train de passer ou bien de traverser? Bien-aimé, le Seigneur ne fait pas dans la complaisance. Il se donnera le moyen de te tester avant de te faire entrer définitivement dans ta destinée. Il y a beaucoup de gens que Dieu a testés comme ça dans la Bible. Je prends le cas de Moïse. Moïse avait été préparé par le Seigneur. C'est lui qui devrait délivrer ou qui devrait conduire Israël de l'Égypte dans la terre promise. Moïse grandit dans le palais royal. La Bible dit qu'il a été élevé dans toute la science égyptienne. Il y avait beaucoup de choses en Égypte à l'époque. Il y avait la sorcellerie, la magie, beaucoup de choses, la sagesse aussi. C'est un pays qui était tellement élevé sur le plan spirituel. Moïse venait d'avoir 40 ans. Il était en train de se promener dans la cour, parmi les Hébreux, les Égyptiens, il a vu comment un Égyptien est en train de menacer, en train de faire souffrir un Juif, un Hébreu, si vous voulez. Moïse n'a pas pu se retenir. Il a frappé l'Égyptien, il l'a tué. La Bible dit que ça lui a valu le départ de l'Égypte pour le désert. Moïse était âgé de 40 ans. Le Seigneur va le soumettre à 40 années d'épreuve. Moïse va apprendre à se vider de l'Égypte, à se vider de la science égyptienne, à se vider de tout ce qui n'était pas de Dieu. Parce que Moïse savait qu'il y avait la peine sur sa vie. Il devrait conduire les enfants hors de l'Égypte. On lui avait déjà dit. Il avait déjà commencé à certainement nourrir le projet comment ça devrait se passer. 40 ans dans le désert, derrière le troupeau, c'est une autre école, c'est un autre apprentissage. Il fait 40 ans. C'est au terme de 40 ans qu'il va faire l'expérience du buisson ardent. Dieu va l'appeler à travers un feu qui était dans un arbuste. Et la buse là ne consumait pas, ne brûlait pas. Pendant les 40 ans, Moïse a été vidé. Lorsque Dieu l'appelle pour lui dire que je t'envoie en Égypte, Moïse avait quand même quelques souvenirs de Pharaon, parce qu'il connaît que Pharaon est puissant. Moi qui suis devenu berger devant un Pharaon, ça n'a pas de sens. C'est quelque chose de léger, quelque chose qui n'a pas de valeur. Dieu dit à Moïse, tu vas sauf qu'aller en Égypte.
Moïse dit que Dieu, tu sais pas que j'ai une parole, j'ai la langue lourde, c'est une langue qui pèse, qui ne dit pas les choses facilement. Alors que quelques années auparavant, on disait de Moïse qu'il était un homme comment? Éloquent, puissant en parole. Il était fort, puissant en parole. Vous voyez ce que Dieu peut faire? Dieu va retirer toutes ses ressources pour le laisser dans, pour laisser Moïse dans sa nature. L'homme faible, ne connaissant pas parler, n'a plus d'autorité. Dieu voulait que Moïse s'appuie sur lui, Dieu. C'est lui la force, la puissance, la capacité, pas ses expériences. Moïse va prendre la route pour entrer en Égypte. Il va se faire aider par son frère Aaron. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Dieu a pris le soin d'épurer Moïse. Moïse va prendre les enfants d'Israël. Ils vont aussi faire 40 ans dans le désert. C'est à ce moment qu'il va mourir. Vous allez voir que la vie de Moïse a été segmentée en série de 40, 40, 40. 43 fois. Ça, c'est encore une autre théologie. Pour ceux, il y en a qui développent c'est-à-dire cette théologie de cycles. Donc, chacune de nos vies marche sur la base des cycles. Donc, il y a des choses arrivent dans nos vies passées. Ça, c'est une autre théologie. Je vais aussi prendre un autre exemple d'un homme que Dieu a pris le soin de traiter. Abraham, le père de la foi. Il a été évoqué ici dimanche dernier. Nous avons appris que c'est au terme de 50 années de marche avec le Seigneur que Abraham a été déclaré père de la foi. Et sur le chemin de sa destinée, il est passé par des moments parfois compliqués. Dieu lui fait une promesse que ta postérité sera grande et tout et tout. Abraham a marché pendant longtemps avec Dieu. Il ne voyait pas cet enfant. Sarai était déjà même sur le plan médical, je ne sais pas si c'est le plan gynécologique, elle n'était plus en âge de procréer. Parce qu'elle ne voyait plus ce que les femmes voient souvent, n'est-ce pas? Elle ne voyait plus ça. De telle manière que le jour où les trois qui sont venus, qui devaient aller à Sodome, annoncer la naissance de l'enfant, elle a ri pour dire, mais est-ce que mon maître, mon Seigneur, aura encore des désirs pour aller vers moi? Dieu a demandé à Abraham de se séparer d'un certain nombre de choses pour la manifestation de sa destinée. Quitte ton pays, ta patrie, maison de ton père, ceci. Abraham quitte, il quitte comme cela ne suffisait pas. On va demander à Abraham de se séparer d'Ismaël. Ce n'était pas une petite affaire. Abraham était déjà trop âgé. Il n'avait même plus l'espoir d'avoir un enfant. Mais Dieu lui demande de se séparer d'Ismaël. Après, comme cela ne suffisait pas, cerise sur le gâteau, quand il a eu maintenant son enfant, il lui dit de le sacrifier. La dernière fois, le dimanche dernier, nous avons appris que Isaac était âgé de 30 ans lorsque son père était en train de le ligoter pour le sacrifier. Bien, mais ça signifie que Abraham a compris que ici, là, mon héritage, c'est seulement Dieu. Je ne veux plus m'accrocher à un bien quelconque. Mon héritage, c'est seulement Dieu. Même si je meurs sans enfant, je prends Dieu pour héritage. Lorsqu'il est arrivé à ce niveau, c'est à ce moment que Dieu dit que, ok, comme tu ne m'as pas refusé ceci, tu es maintenant, voilà, c'est toi qui es le père de la foi. Il a été déclaré père de la foi. Dieu a testé Moïse, il a testé Abraham, il a testé son fils. Mais nous sommes qui pour ne pas être testés? Nous ne pouvons pas déroger la règle. Bien-aimé, rassure-toi que celui qui est en haut là, il va prendre le soin de te tester. Il prendra le soin de te vider d'un certain nombre de choses où il sait que lorsqu'il laisse ça en toi, ça va compromettre ta destinée. Pour beaucoup, il va traiter la colère
D'autres, il va traiter un problème d'ordre caractériel. Je ne sais pas si ça existe. Pour d'autres, il va traiter leur attachement au bien de ce monde. Pour d'autres, il va traiter l'amour pour l'argent, l'amour pour ceci, l'amour pour le vêtement, l'amour pour la montre, l'amour pour ceci. Le Seigneur le fera. Il ne laissera rien, aucun débris en nous. Puisqu'il est jaloux de sa gloire. Il ne veut pas confier sa gloire à n'importe qui. Il ne veut pas que sa gloire soit piétinée. Nous continuons dans notre prédication. Il prendra également le soin de traiter ton attitude vis-à-vis des gloires de ce monde. L'amour du monde, l'amour de l'argent, le pouvoir, etc. Dieu ne prend pas tout ce temps pour te préparer, pas avec en fait, son objectif, bien son intention, ce n'est pas pour te détruire. C'est pour chercher en toi un minimum de maturité. Ce que j'appelle maturité, c'est cette capacité à discerner et à valoriser les choses qui comptent pour Dieu. Ça, pour moi, c'est ça la maturité. Lorsque tu réussis à discerner et à valoriser les choses qui comptent pour Dieu, bien-aimé, vraiment, tu es déjà sur le chemin de la maturité. Jésus lui-même avait du respect pour ceux qui avaient l'autorité sur lui. Joseph était loin d'être son père biologique. Il n'était qu'un père gardien. Dans le langage sociologique, c'est lui qui n'est pas ton père biologique, on appelle le père gardien. C'est-à-dire, il s'occupe simplement de toi pour un temps. Mais Jésus était soumis à ce père. Jésus-Christ n'était pas un gamin de 18 ans. Lorsqu'il se présenta à Jean-Baptiste, il était âgé de 30 ans. Quelqu'un de mûr pour nous. La Bible dit de lui qu'il a appris l'obéissance. Alors, à votre avis, Jésus faisait quoi de 0 jusqu'à 30 ans? Il a dansé le moment où il apprenait l'obéissance. Il apprenait l'obéissance. Comme un humain, avec son père Joseph, il pouvait aller toller une maison, il pouvait se rendre dans un autre village, ainsi de suite, ainsi de suite. Bien-aimé, dans ce principe, j'ai compris que pour notre émergence, ou pour ton émergence, des personnes te tiendront la main pour t'introduire quelque part. Pour ton émergence, pour que tu sois manifesté là où Dieu t'a établi, si tu es par exemple chantre, n'est-ce pas, tu vas aussi apprendre au biais de quelqu'un. Quelqu'un va t'enseigner comment tu fais. Il y a un certain nombre de choses. Dans la maison du Seigneur, l'apprentissage, c'est un passage, pour moi, c'est un passage important. On ne devient pas enseignant du jour au lendemain. On a besoin d'aller s'asseoir quelque part. On va nous apprendre comment on enseigne, comment on prépare un cours, la pédagogie, la didactique, un certain nombre de choses. Aussi pour notre émergence, pour notre croissance, pour que nous soyons manifestés. Bien-aimés, des personnes nous tiendront la main pour nous introduire quelque part. Alors, si tu tombes dans le piège de l'autosuffisance, de ce que je connais tout, de ce que je sais tout, de ce que le Saint-Esprit suffit, c'est vrai. Mais pourquoi est-ce que ce Saint-Esprit qui suffit a toujours pris les hommes, il les a mis au pied des autres? C'est le même Saint-Esprit. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Deuxième axe de réflexion. Le premier, c'est que le Seigneur prendra le soin de te tester. Deuxième axe de réflexion. Je comprends que dans la tentation de Jésus, ou bien la tentation à laquelle Jésus a été soumis, il y a eu trois niveaux de tentation. Satan va commencer par le besoin physiologique de Jésus. Il dit que si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus lui dit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a un deuxième axe, ou bien il y a un deuxième niveau de tentation. Satan voulait faire douter Jésus de la protection divine et de la fidélité de son Père. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges des ordres à ton sujet,
Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Troisième niveau de tentation, Satan voulait obtenir de Jésus l'adoration en contrepartie des gloires de ce monde. Il lui dit, je te donnerai tout cela si tu tombes à mes pieds pour te prosterner devant moi. Trois niveaux de tentation. Et Satan continue toujours à se servir de ces trois niveaux pour entraîner un grand nombre dans la compromission. Ce qui m'intéresse dans cette affaire, ce n'est pas seulement les différentes stratégies que le diable a multipliées, mais beaucoup plus l'attitude de Jésus qui m'intéresse. Jésus a toujours dit, il est écrit. Bien aimé, quand on lit comme ça, on a comme l'impression que c'est juste un récit. Mais c'est tellement profond. Jésus a toujours répondu, il est écrit. Le diable a cité la Bible. Mais la portion qu'il citait, ce n'était pas la pensée de Jésus à l'instant, là, ce n'était pas ça. C'est plutôt ce que Christ a répondu qui était la pensée de Dieu pour l'heure. Jésus a toujours dit, il est écrit. Il est écrit renvoie à quoi? C'est la parole. C'est la parole. Bien aimé, pour notre émergence, nous venons de parcourir le premier axe. Le deuxième axe, c'est que notre émergence est les fonctions de la parole de Dieu. Elle dépend de la parole de Dieu. Elle dépend de ce que Dieu dit te concernant. Lorsque je dis parole de Dieu, je suis en train de faire allusion à la pensée de Dieu pour toi. La première réponse de Jésus m'amène à comprendre des choses fondamentales que je veux partager avec vous. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans cette réponse, j'ai compris que l'homme a deux dimensions. La dimension matérielle ou dimension physique que nous voyons ici. Et cette dimension physique, elle est entretenue par ce qui est physique. Nous avons besoin de manger pour maintenir ce corps en bonne santé, en vie. Si nous ne mangeons pas, hein, c'est un moment où on sera obligé de mourir. Alors, j'ai aussi compris que l'homme n'est pas que physique. L'homme a aussi une dimension immatérielle, une dimension qu'on ne voit pas. Dimension spirituelle. Cette dimension, elle est nourrie par quoi? Par la parole. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, dimension physique, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole entretient l'homme intérieur, l'homme qu'on ne voit pas, l'homme qui rentre à Dieu lorsque nous allons mourir. Alors, j'ai aussi compris que la dimension immatérielle, elle est immortelle. Vous êtes d'accord avec moi, non? Elle ne meurt pas. Quand la Bible parle de la mort éternelle, la Bible ne parle pas de la cessation de l'âme. La Bible parle de la séparation de l'âme avec son Créateur. Lorsque vous êtes séparé de Dieu, vous n'êtes pas connecté à votre Créateur, la source de votre vie, vous êtes mort. Parce que l'âme est immatérielle, elle ne meurt pas. C'est ce qui est physique qui périt, qui finit. Mais ce qui est spirituel ne finit pas. Les démons ne finissent pas. Ils vont toujours comme ça demeurer jusqu'à... On va les renvoyer en enfer. Alors, dans la réponse de Jésus, la première réponse, je retiens encore une deuxième chose. C'est que la cause première de l'homme, c'est la parole. La cause première de l'homme, c'est la parole. Dieu, dans son conseil, dit, faisons l'homme à notre image.
c'est la parole. Faisons l'homme à notre image. La nourriture n'est qu'une cause secondaire. C'est la raison pour laquelle Moïse, comme Jésus, pouvait passer 40 jours et 40 nuits sans manger et vivre. Alors, bien-aimés, je veux nous amener à comprendre, ou du moins à aimer la parole, à rentrer sur la parole. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de ramener l'Église sur la parole. Dieu ne fera rien dans vos vies où il ne voit pas sa parole. La parole de Dieu est toujours à la base de ce que Dieu veut faire. Alors, j'étais en train de dire que nous devons être des hommes et des femmes qui cherchent Dieu à travers sa parole. C'est alors que nous allons davantage prospérer. Nous connaîtrons son timing pour toutes choses. Pourquoi nous devons nous attacher à la parole? Psaume 119, verset 130 dit ceci: la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Bien-aimé, c'est la parole qui gouverne tout. Et nous le verrons à la suite, dans la suite de notre prédication. Il y a eu deux choses importantes: la parole et le Saint-Esprit. Dans ses réponses où Jésus disait « Il est écrit », pour moi, ça fait penser à quoi? Ça fait penser à ce verset dans Hébreux, chapitre 1, à partir du verset 2 jusqu'au verset 3, où il est écrit: Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très élevés. Dieu soutient toutes choses par sa parole. Amen. Dans des moments de combat, ou des moments de détresse, dans des moments de culpabilité, où l'ennemi veut t'assaillir, dans des moments d'inquiétude, ou dans des moments les plus sombres de ta vie. Bien-aimé, c'est la révélation de la parole de Dieu qui va t'éclairer. L'ennemi viendra toujours pour rendre ta vie sombre. Son objectif, c'est de te déconnecter de ta source. Attache-toi à la parole. La révélation de la parole de Dieu est claire. La parole est d'ailleurs esprit et vie. C'est ça ce que nous avons appris dans Jean. Elle est esprit et vie. Celui qui se nourrit de la parole, celui qui est rempli de la parole, il est rempli, en d'autres termes, de la vie de Dieu et de l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu, pour moi, reste un soutien indéfectible. La parole de Dieu est un soutien infaillible. Notre système de santé est soutenu par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait germer la guérison. Amen. C'est la parole de Dieu qui fait germer la guérison en nous. Et c'est même la même parole qui fait germer la foi en nous et la soutient. Et j'ai aussi compris, dans la tentation de Jésus, que le Saint-Esprit et la parole vont toujours ensemble. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu vont toujours ensemble. Alors, une connaissance limitée de la parole de Dieu limitera forcément l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Qu'est-ce que je viens de dire? Une connaissance limitée de la parole de Dieu limitera forcément l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Pourquoi est-ce que je dis que les deux vont ensemble? Regardez, depuis la création,
Quand vous prenez Genèse, le chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible dit que la terre était informe et vide. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. L'Esprit était en train de planer sur quelque chose d'informe, quelque chose qui n'a pas de forme. C'est en hébreu, là, c'est tohu bohu. C'est-à-dire le chaos. Un chaos, un désordre total. Quelque chose qui n'a pas de forme, qui n'a pas de sens. L'Esprit de Dieu planait au-dessus de tohu bohu. Qu'est-ce qu'il faisait? Car lorsque vous faites une étude profonde, vous vous rendez compte que le terme, le verbe planer signifie aussi voltiger. C'est-à-dire faire la reconnaissance comme un oiseau qui plane, qui plane, qui plane, qui prend la reconnaissance de lieu. Il y a un monde informe qui doit venir en existence, ou du moins ce qui va prendre la forme. Et l'esprit était en train de planer, de planer, de planer. Et la Bible dit que c'était les ténèbres. Et Dieu dit que la lumière soit. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la lumière... Le Saint-Esprit n'attendait que la parole pour amener en existence la lumière. C'est pour ça que j'ai dit que la parole et le Saint-Esprit vont toujours ensemble. Lorsque Dieu disait « Faisons l'homme à notre image », le Saint-Esprit était dans le conseil. Lorsque la parole est sortie qu'il faut faire l'homme à notre image, le Saint-Esprit s'est saisi de la parole et tu as été révélé. Amen. Je vois aussi le Saint-Esprit pendant que Jésus-Christ devrait prendre, c'est-à-dire l'enveloppe humaine, l'incarnation. Un ange a été envoyé et il a fait l'annonce à une jeune fille vierge du nom de Marie. Marie était en train de se poser des questions. Dans mon contexte-ci, comment est-ce possible, moi qui suis vierge, comment est-ce que ces choses vont-elles arriver? L'ange de lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. La parole a été prononcée, elle a été proclamée. Le Saint-Esprit est venu, il a fécondé la parole. Est-ce qu'on comprend ce que je suis... Vous comprenez ma logique? Amen. C'est la même chose quand je dis que l'Esprit et la parole vont ensemble. Vous voyez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été annoncé toujours par un ange. Son père était en train de faire le sacrifice, il était au temple. C'est au temple qu'on vient annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Alors, son père va donner un certain nombre de raisons et puis on va lui fermer sa bouche. Comme tu as méprisé la parole de Dieu, tu ne parleras pas jusqu'au jour où ton enfance va naître. Mais la Bible poursuit en disant que le Saint-Esprit, pendant que Jean-Baptiste était encore un amas de sang dans le sein maternel, il était déjà rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a pris le soin de superviser tout. Superviser la parole, afin que cette parole donne véritablement naissance à quelqu'un de fort, quelqu'un de fidèle. La mission que Jean-Baptiste devait accomplir était une mission où il n'avait pas droit à l'erreur. Bien aimé, j'ai compris dans la tentation de Jésus, si nous voulons revenir dans notre message, c'est que la parole qui est à la base de notre émergence sur le plan ministériel a aussi besoin du Saint-Esprit. Les deux doivent être ensemble. Amen. Alors, connaissant toutes ces choses, connaissant que la parole est fondamentale, bien-aimé, ta vie de méditation ne sera pas à l'abri des assauts de l'ennemi. Un frère a partagé ici un jour, il a partagé sur deux choses. Il a dit qu'il y a la prière
il y a la méditation de la parole. Les deux choses sont apparemment faciles à faire. Puisqu'on ne vous demande pas d'aller courir. On ne vous demande pas d'aller acheter au marché. La méditation, c'est prendre votre Bible, de vous asseoir, de demander au Saint-Esprit de vous éclairer. Et tout est fait. Mais c'est si difficile. La prière aussi. On ne vous demande pas d'aller faire le casting quelque part. On vous demande tout simplement de vous asseoir dans votre chambre, dans votre lieu secret, de communier avec votre Père, en parlant avec lui, en l'adorant. Mais c'est si difficile. Difficile pourquoi? Parce qu'il y a un combat. Il y a une résistance. Même si nous ne la voyons pas, nous la voyons dans notre façon de faire. On sent que c'est difficile. On sent qu'il y a quelqu'un qui nous oppose une résistance. Bien-aimé, ce n'est pas gratuit. Il y a quelqu'un qui est derrière ça. L'ennemi connaît le principe actif qui est dans la parole. Il sait que si vous réussissez à connaître Dieu à travers sa parole, s'il vous laisse mener une vie remplie du Saint-Esprit, remplie de la parole, remplie de ce que Dieu est, vous serez une menace réelle pour lui. Alors, il ne vous laissera pas méditer profondément. Il ne vous laissera pas méditer profondément. La parole, c'est elle qui crée. Prenez l'exemple de Jésus a transformé l'eau en vin. Cana, oui. C'était même le premier miracle de Jésus. Beaucoup de personnes récupèrent ça pour dire que bon, Jésus lui-même a transformé l'eau en vin. Alors, ça veut dire que Jésus approuve le fait qu'on boive du vin. Il y a beaucoup qui boivent ici dehors à cause de ça. Jésus était là aussi à la fête. Et puis, sa maman vient lui dire que le vin est fini. Je ne veux pas rentrer dans le contexte de ce que le vin représentait pour eux et tout et tout. Alors, son fils lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Et puis, bon, elle se redit, elle dit aux organisateurs, en tout cas, faites quand même tout ce qu'il va vous dire. Alors, donc, Jésus dit à ces gens-là, que remplissaient les jarres qui sont là, les canaries, ce que nous voulons contextualiser, nous, les canaries qui sont là, qui servaient de purification pour les juifs, remplissaient ça d'eau, puisez, allez donner à l'ordinateur. Ils ont rempli, ils ont puisé. Pendant qu'ils ont donné, l'eau s'est transformée en vin. Je me suis posé la question, comment est-ce qu'on a puisé l'eau, on a mis dans un canari et puis on a repuisé, on allait donner et du coup ça s'est transformé en vin. Je me suis rendu compte que c'est la parole qui est sortie. La parole de Christ. Puisque c'est elle qui supervise la création. Elle a la capacité d'agir sur l'eau et de transformer sa nature, tout simplement. Puisque Jésus est le créateur, c'est lui qui a créé l'eau. Lorsqu'il parle à l'eau, l'eau obéit, tout simplement. C'est lui le propriétaire. Alors, bien-aimés, cette parole que nous vous présentons aujourd'hui, elle n'est pas nouvelle. La Bible dit que vous l'avez dans votre bouche. Vous l'avez avec vous. Vous n'avez qu'à la proclamer, tout simplement. Dans le moment de détresse, proclamez la parole. Jésus a dit, il est écrit. Il n'a pas raisonné devant le diable pour dire que non, je ne te réponds pas. Je sais que je suis fils de Dieu, je suis suffisant, je connais tout. Non, il a dit, il est écrit. Il a déclaré la pensée de Dieu. Est-ce que nous pouvons déclarer la pensée de Dieu aujourd'hui devant n'importe quelle situation par laquelle nous passons? Alors, bien-aimé, je veux finir en disant que connais la parole de Dieu et tu vivras. Amen. Connais la parole de Dieu et tu vivras. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.